Ah, c'est une caisse à outils. Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Ah, par contre, je vois pas comment je... Ah. L'autre corde, ce sera pour après, je pense. Oh, j'ai failli pas l'avoir. Allez, plus haut. Allez. Ok. Ah, faut peut-être recourir sur le mur en fait. Oh, je me demande si je peux m'attacher au mur. Hop, peut-être en courant un peu mieux. Encore. Voilà, nickel. Une petite sauvegarde. C'est la petite sauvegarde des familles. J'ai pas assez de points. Alors, y a ça que je peux pas faire. Et il faudrait que je descende là. Ah, puis j'ai vu un autre truc, non? Oh, le con! J'aurais pu défoncer un truc ici pour faire un... Ouais, si je peux le péter dans mon sens, je peux le péter dans l'autre sens. Alors on va pas utiliser ça tout de suite, on verra ça plus tard. Cal Kestis, comme c'est prévisible. Oh oui, je connais ton nom. Ton passé. Mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Incroyable. Ah merde, ouais, lui, je peux pas. Tu ne peux pas me vaincre. Accélère. Ah putain. Fais que j'esquive. Arrête de bouger. Je te détruirai comme les autres. Merde, je crois.
Je te détruirai. Ah bah j'ai ouvert une porte. Oh joli. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Ouais, j'en étais sûr. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonné. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi? Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Alors, donc, ouais, j'en étais sûr. Bon, je pensais plutôt que son... que son maître à l'inquisitrice était morte, mais en plus c'est pire en fait, elle a vendu sa cachette. Ce qui peut expliquer pourquoi l'autre a coupé ses liens avec la Force. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comment elle sait que c'est une liste de jeunes padawan, enfin de jeunes sensibles à la Force? Normalement elle devrait pas être au courant. Il y a une taupe dans le groupe. Alors... Oula, j'ai eu un méchant lag là. Et il continue. C'est un peu agaçant. Oh, sympa. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. Il menait où l'autre partie? Celui-là aussi il y a un trou. Ok, ça mène nulle part. Il n'y a pas un petit coffre de planqué. Sur la place des développeurs, j'aurais planqué un coffre là. Hein. À la place des développeurs, j'aurais planqué des coffres partout. Ah si, merde, il faut que je me repose. Bon bah on est retombé sur l'inquisitrice. Ça fait plaisir. On l'a trouvé. Il a l'air différent de l'autre tombeau.
coup? J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. J'ai l'impression que c'est par là. Et c'est reparti pour du Tomb Raider. Je l'ai trouvé, mais serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi? Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de serrer que je n'ai pas perfectionnée. Ok, donc ça explique comment elle est au courant. Par contre, on va aller régler un peu ce problème de lag. Du moins essayer. Ok, donc ça, on a réglé la question. Il n'y a pas de traître. Il y a juste une douée en piratage. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah non, c'est pas dans le bon univers. Alors moi non plus, hein, je vois pas grand chose. Bonjour, au revoir. Ça semble être le seul accès. Non, par là, c'est pas ça non plus. Oh, il y a de la flotte partout. Il y a de la flotte et surtout, on voit plus grand chose. Ah non, merde. Sera pas utile cette bouboule. Ah, mais pourquoi pas celle-là? À mon avis, pour l'utiliser, il va falloir que je trouve un moyen de monter. Ah oui, d'accord. Tu trouves toujours des trucs ? Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Toujours pas de points. Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pourquoi? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ces effaux. Peut-être au point de cacher l'holocron parmi leurs... Ouais, c'est ce qu'on va voir. Il cherche à s'enfuir. On va lui régler son compte.
l'aider. Ouais, je t'ai eu. Ah oui, d'accord, ça a ouvert ça. Ça, je vais pouvoir le pousser, je dirais par là. Rien de très intéressant par ici. Ici, je te pousse dans notre communication, non ? Ça marche pas. Un peu tard. Non, il n'y a pas de... Non. Tiens, il n'est pas actif. Étonnant. Ce serait un super endroit pour cacher des disciples, hein, quand même. Alors... Ouais. Il manque toujours des points. Ok, pour l'instant, je peux pas y accéder, ça, à mon avis. Faudra les cramer. On réussira jamais à passer ce gouffre. On fait demi-tour et on prévient les squads. C'est hyper risqué d'être Stormtrooper quand même, quand on y pense. C'est quoi, dans la salle principale ou pas, non? Je sais pas, j'ai pas l'impression... Eh non, ça c'est au-dessus. Je vais revenir en arrière quand même, je suis sûr d'avoir loupé un truc. Ah. Ah non, on peut pas revenir en arrière, ok. Je vais essayer une dernière fois, on sait jamais. Ah bah j'ai oublié de sauter. Ah si, on peut. Voilà, c'est un peu plus chaud quand même. Hein. On sent que le truc avait pas été prévu pour être fait dans l'autre sens. Alors je vais revenir dans la salle.
Ouais, je suis en train de me pousser dans le vire. Ah. J'ai pas mal, j'ai parlé ici. Ah putain. C'est ce qu'il me disait aussi. Non, c'était pas par là. Bah justement, je recherche le passage que j'avais pris. Là. C'est bien celui-là. Ah, je peux ouvrir la carte. Évidemment. Tiens. Ah bah d'accord, j'avais pas découvert ce passage-là en fait. Ah, c'était par l'autre côté que j'étais passé. Bah si, j'ai dû le découvrir ce passage. Bah si. N'importe quoi, moi. Ah, ça doit être là-bas, alors. Il y en a partout des portes cassées. Ok. Hé, hey, vite ! Qu'est-ce que t'as repéré toi encore? Ouais. Là-bas, il y a une porte à péter. Oh, je vais apprendre à tirer cet objet à tous les coups. Pour l'instant, je sais les pousser. Pouvoir les vraiment les manipuler après, j'imagine. En avant, BD. Hey, BD, là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? Voyons voir ça. Nouveau matériau, ok. Regardons ça. Mon ami, j'ai fait une découverte troublante. Il reste plus que la porte à l'étage, mais la porte à l'étage, je peux pas le, je peux pas m'en occuper. À mon avis, j'ai toujours pas le deuxième point. Non, toujours pas. Bientôt, mais toujours pas. Bon, ça va ramener les deux gars que j'ai poussés dans le vide. Je vais pouvoir les repousser dans le vide. Salut toi, au revoir toi.
Ah, ça a pas suffi. Faut que je recommence. Faut que je continue à les pousser dans le vide jusqu'à ce que j'ai les points. Oh. Ok. À mon avis, c'est pareil que je dois aller. Nickel. Non, c'était pas où je pensais que c'était bestiole. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe. Tu as peur de m'affronter toi-même? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun effort. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit. Je me suis trompé. Putain, je galérais pour m'accrocher alors que... Ouais, non, je devais me tromper de touche, ça se trouve. Oh, joli. Très, très joli. Ça doit être utile de faire ça. Ah bah oui. Ça me permet de m'accrocher. Ennemi en approche. On ne lâchera pas d'une seule mère. Non, ça se joue plus. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Oula. Ah, je vais encore me retrouver avec un Purge Trooper, ok. Meurs, vermine Jedi. Je n'échouerai pas. Bah si, il s'avère que si. Ah, il est encore en vie ce con. Il n'échappera plus, traître. Voilà, maintenant t'es mort. Là, ça va aller trop vite, j'imagine. Ah non, bah ça c'est peut-être pas pour tout de suite alors. J'avais pas vu qu'il y avait un passage sur le côté. Je peux pas aller par là, ok. Jedi! Putain, mais il m'a fait peur, ce gars! Bon, fais gaffe quand tu fais ça, tu vas finir par terre. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.